Le psaume 91 parle de la sécurité et de la protection qui découle du fait de demeurer dans la présence de Dieu. Les bénédictions promises dans ce chapitre ne s'adressent pas à tous les croyants, mais uniquement à ceux qui sont en étroite communion avec Dieu et qui cherchent à habiter dans sa présence. Ceux qui connaissent vraiment Dieu placeront leur amour au-dessus de tout. Et l'une des façons de le faire est par la prière et la méditation sur sa parole. Dieu est fidèle pour délivrer en temps convenable. Dans les versets 1 à 2 du psaume 91, la Bible dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Par conséquent, mes amis, élevons notre foi et évitons la présence de Dieu partout où nous nous trouvons en ce moment. Il est notre refuge et forteresse et nous devons placer une confiance totale en lui, croyant qu'il entendra et répondra à nos prières. Amen. Commençons la prière par la lecture du puissant psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Ancien des Jours, le Lion de la tribu de Juda, El Shaddai, Elohim, El Rapha, nous te remercions pour ta parole et tes promesses. Tu as promis de nous délivrer des pièges de l'ennemi et de la peste mortelle. Nous te donnons toute la gloire et les remerciements pour ta grâce divine qui nous protège des tentations du diable. Aide-nous à demeurer dans ta présence, à fixer notre amour sur toi par la prière et la méditation de ta parole. Nous avons confiance en toi comme notre refuge et forteresse, et croyons que tu entendras et répondras à nos prières.
Que ta présence soit avec nous partout où nous allons et que nous marchions toujours dans la sécurité de ta protection divine. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Le psaume 91 offre une assurance réconfortante de sécurité face au danger, déclarant que Dieu protégera et abritera ceux qui cherchent refuge en lui. La promesse de ce chapitre ne s'adresse qu'à ceux qui vivent en étroite communion avec Dieu et le connaissent intimement. Pour demeurer dans sa présence, nous devons prier et méditer sur la parole afin de le connaître et de lui faire confiance plus profondément. Selon les versets 4 à 6 du psaume 91, Dieu promet de nous couvrir de ses plumes et sous ses ailes nous trouverons refuge. Sa fidélité sera notre bouclier et notre rempart. Nous ne devons craindre ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste mortelle et la destruction qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui détruit en plein midi. Grâce à la bonté de Dieu et grâce à sa fidélité, nous tiendrons bon contre les forces de l'ennemi, car le Seigneur est notre défenseur et protecteur. Nous déclarons que sa parole est vraie et nous avons confiance en son amour infaillible pour nous protéger ainsi que nos familles de tout danger et maux. Seigneur, nous te remercions pour la sécurité et la paix que ta parole procure. Nous avons confiance en tes promesses pour nous protéger ainsi que nos proches de tout maux. Que ta présence nous entoure partout où nous allons et que nous demeurions à l'abri sous tes ailes. Aide-nous à marcher en étroite communion avec toi et à te faire confiance en toutes choses. Nous déclarons qu'aucun mal ou danger ne nous approchera, car nous sommes couverts par ton amour et ta grâce. Seigneur, pendant que je voyage dans ce monde, je trouve du réconfort et la certitude en tes promesses qui sont vraies. Je crois que tu es toujours proche, que tu n'es jamais loin pour attendre mes cris et mes appels à l'aide. Je prie pour que mon désir de chercher ta présence quotidiennement soit renforcé. Et je te remercie pour l'assurance que je ne suis jamais seul en tant que ton enfant. Je crois que je ne suis jamais abandonné ni délaissé entre les mains de l'ennemi. Et j'ai la certitude que tu es mon bon berger et que tu ne me conduiras jamais dans la destruction. Même dans les moments difficiles, tu as promis d'être avec moi, car tu es le Dieu puissant qui me délivre, qui me sauve et que tu fais briller ta lumière sur ma vie dans les ténèbres. Reçois la gloire et l'honneur parce que tu es puissant pour me sauver de la main des ennemis. Que ton nom soit loué maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. J'espère que cette prière t'a vraiment béni. Si tel est le cas, je t'exhorte à faire cette prière sur ma chaîne pour les 7 prochains jours. Tu viens sur la chaîne, tu cherches cette prière pour les 7 prochains jours. Fais-la. Et je crois que Dieu achèvera ce qu'il a commencé dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. N'oublie pas de partager également cette prière avec ta famille, tes proches, tous ceux dans ton répertoire que tu crois qu'ils ont besoin de prière. Partage avec eux. Et je crois que le Dieu du puissant psaume 91 les visitera, les délivrera des pièges de l'ennemi et les élèvera dans le nom de Jésus. Amen. Demeure béni jusqu'à la prochaine prière dans le nom de Jésus. Amen.